Bonjour, dans ce vidéo je vais vous montrer comme un tutoriel sur Word 2013. Je vais vous dire c'est quoi les options, les nouvelles options du 2013. Tout le tutoriel va fonctionner avec le 2010, le 2007, le 2003. Puisque je vais vous dire quelles options sont pour le 2010, le 2013 et tout ça. Alors, on va dire compatible pour tous. Ça, si vous n'avez pas le même comme ça, ça c'est 2013. Il y a certaines places où j'ai ajouté des options et tout ça. Voilà, maintenant ici, ça c'est votre historique, quelque chose comme ça, whatever. Ici, vous avez des modèles de choix que vous voulez faire un diplôme, exemple. Et des trucs, voilà. Ici, on a comme... C'est en catégorie. Des trucs quand même comme ça. Vous pouvez choisir et tout ça. New... Voilà, j'ai fait un bac. Ici vous en avez des choix ici qui sont là. Et si vous en avez trouvé un, vous cliquez ici. Par exemple, moi je vais en prendre un basique. On peut cliquer ici sur le bouton à côté du X. Ici un bouton. Après, on peut le mettre ici. Moi je le préfère comme ça. Vous devez l'avoir jusqu'à View. Moi je l'ai en anglais, c'est jusqu'à lui. Tout ça, developer, ça et ça, tout sont des options. Alors, je veux dire de là, c'est des options. Lui, vous le cochez à une place. Je vais vous dire comment. Bon, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de choix, c'est très mélangeant. Mais si vous le connaissez, vous allez trouver que c'est pas si mélangeant que ça. Nous allons commencer. Bon, alors, sur le clavier, on peut écrire comme ça, voilà. Ça sert à copier-coller une image. Ça sert à faire un paste special. On va aller voir ça après. Ça, on sélectionne. On sélectionne d'abord le texte pour qu'elle puisse savoir quoi faire pour changer la police. Vous allez partir ici. Ça, c'est les polices. Là où il y a un cercle, comme un O avec moitié noir, moitié bleu, vert. Ça veut dire que c'est en... Ça vient avec l'ordinateur, ça veut dire que c'est dans une option de Word. De Microsoft. Bon. Ouais, ça, là où il y a deux T, ça veut dire qu'on l'a téléchargé d'Internet ou qu'on l'a téléchargé dans des applications, que ça venait avec les applications. Comme Photoshop et tout ça, ils donnent. Ici, ça sert à dire que ça... Ici, il y a de l'hébreu, de l'arabe, de l'indien, je pense. Ça sert pour dire qu'ils sont compatibles avec d'autres claviers. Ici, il y a les trois petits points qui servent à monter à des gens si vous le voulez comme ça. Ici, je pense, soit lui. Ça sert à... C'est comme l'historique de ce que vous les avez pris. Alors, exemple, on va prendre... La plus connue, c'est Arial. Voilà, Arial. On va prendre Arial. Comme ça, vous pouvez prendre d'autres. Comme par exemple ça, le faire en... Comme ça, sur ça qu'on sélectionne. Après, si on trouve que l'écriture est trop grande ou trop petite, ici, il y a déjà un mini-choix comme ici. Vous avez ici, vous pouvez mettre l'écriture. Laquelle vous le voulez. Si vous voulez plus que du 72, puisque vous la voulez trop, que vous trouvez que c'est trop petit, ou si vous voulez faire un titre, vous pouvez écrire en haut ici. Il y a un maximum, j'oublie c'est quoi le maximum. Vous pouvez exemple mettre du 100, du 1000 et tout ça. Bon. Voilà aussi, vous pouvez dire que si vous trouvez ça trop petit, vous pouvez mettre du 1. Bon, je vais aller dans une taille assez basique, comme ça. Voilà, maintenant, ici,
On le veut en gras. Le gras, ça veut dire comme les écritures plus foncées. Je vais cliquer sur le B. Oh, je sais, on a sur en anglais. Ici, ça va mettre un. En anglais, c'est un B. Ah oui, un B. Ça, c'est la dyslexie. Bon. Voilà. En français, ça s'appelle gras. C'est sûr, ça va être écrit un G. On va cliquer. Jusqu'à ce que notre ordinateur bug, à ce qu'il paraît. Voilà, si on voit qu'il a changé, bon, je vais le refaire. Tac, voilà, il y a eu une différence. Ah, là, tout ce que je vous ai montré, c'est sont compatibles avec toutes les versions. Sauf si vous avez un extrêmement ancien, plus ancien que 2003. Mais bon. Et c'est le I pour italique. Tac. Tac. Voilà, ça comme ça. On va dire plier les lettres. Le U, ça veut dire, c'est en français, c'est le S pour surligner. On clique dessus, ça va comme. Attends, ici, il y a. Ici, si vous voyez. Attends, je vais tous les décocher. Attends. Attends, elle a directement mis une majuscule. Avant, elle les avait. Avant, elle avait quelque chose en. En bleu, j'ai oublié de vous dire. Voilà, en rouge. Ok, si c'est en rouge, il y a le rouge, le bleu, le vert, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais utilisé. Voilà, le rouge, ça veut dire que le mot que t'as fait, que vous avez fait une erreur avec le mot. Vous allez cliquer sur le bouton droit de votre souris. Vous allez avoir des suggestions. Ça veut dire que ici, ça va mettre. Ici, ça veut dire qu'il n'y a aucune suggestion. Ici, il n'y a aucune suggestion. Ça veut dire que elle connaît pas le mot, je sais pas trop quoi. J'écris à date n'importe quoi. Ça, c'est ignorer, tout ignorer. Ça, c'est si vous voulez ajouter ce mot au dictionnaire. C'est. Ben, les autres, c'est antidote. Pour ceux qui connaissent. S'il y en a un. Exemple comme ça. Voilà, si vous voyez. Attends, je vais faire une erreur exprès. Non, en général, il y a du. Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi. Voilà, oui, ici, maintenant. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ici, il y a du bleu. Le bleu, c'est quoi? Ça veut dire que le mot, il est bon, mais on a fait une faute dans le. On a fait une faute à une place. Une faute d'orthographe. On peut cliquer sur le bouton droit, elle va nous le mettre garçon correctement. Alors, ben. C'est avec n'importe quel mot. Voilà, je vais encore écrire n'importe quoi. Alors, on va décocher la case ici, si vous voulez. On va sélectionner et puis décocher la case. Ça sert à raturer. Bon, personne n'utilise. Voilà, ça sert à raturer. Bon, ça c'est. Je sais pas, ça c'est. Whatever. Ça sert en général pour les titres. Celui qui est là, le 2007, n'a pas cette option. Je répète, le 2007 n'a pas cette option. Le 2010, il l'a, mais le 2007 ne l'a pas. Le 2003, je pense qu'il ne l'a pas. Ça fait plus longtemps que j'ai pas utilisé le 2003. Alors ça sert à faire comme des modèles ou des trucs, comme si vous voulez. Exemple, en jaune, en orange. Comme ça, avec ça sert pour la couleur laquelle comment on la veut. Non, c'est pas ça. Ici, ça sert pour la. Bah, c'est écrit ici les titres, les. Voilà les effets. Ça c'est l'ombre. Ça c'est par rapport à, on va dire là, le flash. Regardez en bas de l'écriture, vous allez voir comme.
ici quelque chose. Regardez, ça donne ça le texte. Ici, il y a le... Ça sert à faire quelque chose qui sort par-dessus son levant bleu. Bon, ça c'est bizarre, en général, on va le faire en jaune. Bon, et ça sert à... Je sais pas. Bon. Voilà. Ici, ça, c'est... Je vais mettre une couleur assez basique. Ici, vous avez le back, qui veut dire le CTRL Z. Ici, c'est le CTRL Y. Je ne connais pas le CTRL Y. Ben ça sert pour partir à l'avant, ça sert pour reculer si vous avez fait une erreur. Voilà, alors je vais le laisser comme ça. Ça sert à le surligner. En quel le surligneur, vous pouvez comme ici le cliquer. Si vous n'avez rien de surligné, ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la flèche qui est là. No color, c'est-à-dire pas de couleur. Si vous n'avez pas surligné, vous cliquez ici en jaune. N'importe quelle couleur ici, vous avez tout ça de choix. Voilà, ici, vous aurez un surligneur dans la main, comme ça, un surligneur. Après, vous pouvez faire comme des trucs assez spécifiques. Comme ça, n'est-ce pas, chacun. Bon. Voilà, voilà ici. Merde. Comme ça. Ok. Si on veut la couleur de la police. Ici, on peut la mettre. On peut choisir la couleur si on la veut en jaune, en rouge, en orange. Voilà. Ici, certaines images, ils ont changé. Par exemple, lui, il a changé, qui est là. Ça c'est une option, je sais pas si le 2010 l'a, le 2007 ne l'a pas. Le 2007, pas tout le monde l'a aimé, le 2007, moi j'étais sur le 2007. Bon, alors ça c'est, tout le monde la connaît, ça, ici on choisit les couleurs, c'est le noir et le blanc, on le voit pas. C'est en 2013, en 2014 que j'ai découvert qu'ici il avait une couleur, il avait même pas fait de contour. Ok, ici on peut choisir la couleur et combien on le veut en termes d'éclairage. Ça c'est pas. Ça c'est combien de pourcentage de rouge, de vert ou de bleu. La couleur qui est là sur le rouge. En général, ici, il devrait avoir une autre case pour les codes, pour le HTML, mais le HTML, ça serait dans un autre vidéo quand tout le monde connaîtra le... En ce moment, c'est une base, alors. C'est juste Word. Après, je vais faire Excel, PowerPoint, même des spécialisés. Bon. Voilà, ici, vous l'avez comme ça. Ça sert à mettre des points. Non, ça, au début, on va faire ça. Ok. Ici, vous en avez des mini-options, des trucs comme ça qui servent à faire ça en gros. Je les ai jamais utilisés, ceux qui sont là. Ici, je vais vous dire après. Voilà, maintenant, ici, ça sert à... Vous devez sélectionner le texte. Vous n'êtes pas obligé. Ça, exemple, si on veut que le AGD, je sais pas trop quoi. Voilà, on veut que ça soit le titre. Alors, en général, le titre va être au milieu. Alors, à la place de faire toujours espace, 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 comme ça, une technique mieux, on clique ici, voilà, comme ça, si vous écrivez en arabe, ici sur clavier arabe, non, bref. Et ici, ça sert à le mettre au milieu, je n'ai jamais utilisé. On avait un dans le 2007, il servait à faire comme un style journal, c'est comme... Une page, non, un bord, un après l'autre. Bon. Le Word va être long à ce qu'il paraît. Ça fait déjà 14 minutes. Bon. Voilà, ici ça sert à mettre des points. Si vous voulez mettre comme exemple, mon premier point c'est ça, mon deuxième point c'est ça. Vous avez plusieurs sortes. Vous avez comme un point comme ça, voilà. Non, ça veut dire rien du tout. Ici, vous pouvez faire, si vous voulez,
des images, on va cliquer sur images, sur formes et symboles, des symboles. Voilà, des symboles ici, on peut les choisir comme ça. Si on veut que ça devienne un, il faut que la lettre A ou un, on va mettre. On va mettre la racine carrée. Voilà, alors on va dire, bon, premier point, mais ici, ça va être un point assez original parce que personne va utiliser la racine carrée à place de mettre un point. Bon, alors ici, il y a quelque chose, une barre qui est là, elle est quand même compliquée à... Quand même, ça sert à faire par rapport à la racine. Ça, après, il y a l'autre qui sert à faire tout le texte. Après, il y a la barre qui est là, c'est pour l'écriture. C'est quand même compliqué. Parce que pas tout le temps, il fonctionne. Bon, et après, il y a ça de l'autre bord. Ça, c'est si vous êtes rendu. Si vous mettez, exemple, ça jusqu'à là. Comme ça, il va directement se pousser. Parce que tu as dit que le maximum, il doit être là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... C'est comme une frontière. Il n'y a rien qui peut dépasser ça. La fin de la page. C'est-à-dire que tout le reste va être blanc. Bon, voilà. Ici, ça sert à mettre 1, 2, 3, ABC, 1, premier, deuxième, troisième, en chiffre romain, en chiffre arabe. Bon, ça sert à mettre des espaces, c'est comme 1, espace, 2, espace, comme un style, ils mettent comme ça. Je vais pas tout vous dire les trucs. Bon, ça sert, je sais pas, ça sert à mettre, ça je me rappelle. Ça, c'est très énervant, ça. Alors, si vous avez des problèmes comme ça, c'est très énervant. Avec mon orthophoniste, on se cassait la tête pour l'enlever. Bon. Ça sert à mettre une couleur à la feuille. Pas la feuille. La feuille, ça va être dans l'insertion. Bon, alors ça, c'est... C'est quelque chose de très bizarre puisque c'est pas sélectionné, c'est sélectionné. Pas sélectionné, c'est le surligneur. Je sais pas ce qu'est la différence. Alors, c'est quelque chose du genre, mais avec un peu plus de choix. Je répète que E, ça c'est la même chose. Vous pouvez choisir la même couleur. La plupart du temps, c'est ça. Sauf dans les surligneurs ici, ils sont là. On n'a pas de choix. Ça sert à mettre un tableau. Alors, le tableau, ça c'est exemple si vous voulez faire un qui soit comme ça. Ou comme ça. Alors, on va aller la décocher comme ça. Comme ça. Voilà. Et un tableau au complet, ça va être ben, lui. Ça c'est en général, souvent c'est dans les bulletins. J'utilise des truc comme ça. Bon, je vais toujours écrire par la base n'importe quoi. Bon, on va décocher. Oh boy. Merde. Ah, mais on peut les décocher pour une fois. Ah, c'est une mission comp. Mission. Ok, alors. Ça, je les ai jamais utilisés, plutôt une fois pour faire des conneries. Je sais c'est quoi l'utilisation, ça c'est comme des modèles déjà pris, vous voulez faire exemple ça, ça. Et il y a une autre page où ça sert à faire des modèles déjà pris. Ça c'est recherche, je pense que c'est recherche. Ouais, navigation, ouais. Ça c'est si vous avez exemple un grand document, c'est-à-dire quand plusieurs pages et plusieurs écritures et que vous cherchez... Un mot, c'est comme Google, c'est comme, bon, on va dire le PHP pour être plus précis. C'est un moteur de recherche. Alors, si vous cherchez, exemple, la lettre G dans la phrase que, bon, dans le mot que j'écris ici, le mot inventé, vous allez trouver. Pas, si vous écrivez, exemple, un X, il n'y a rien qu'elle va pas détecter. Vous devez pas, vous n'êtes pas obligé de sélectionner. C'est-à-dire que A. Il n'y a rien. D, il y a quelque chose. F, il y a quelque chose. Bon. Ici, il y a page, tout ça. Ça, c'est pour voir la page. Je l'ai déjà utilisé deux fois.
Ça, c'est le... Je sais pas. Ça, j'ai jamais utilisé. Voilà, maintenant, on va aller dans... ici, on va aller ici, couper. Ça, c'est quoi? Ça veut dire couper, copier, ben... Et ça, c'est une belle fonction, je vais vous dire après. Paste, après, ici, aller paste, special et tout ça. Bon, alors, on va aller sur Internet. On va aller écrire ici. Ça bug énormément. Ok, on va aller sur Google. On va aller... Comme ça, image. Exemple, il y a cette image que je veux, elle est assez originale. Voilà, je veux la mettre sur Word. Qui est là, je vais la mettre. Comment on fait? On peut cliquer sur le bouton droit, enregistrer sous l'image et tout ça. Comme on peut cliquer ici, copier, on part sur Word. Coller, si vous avez 3 heures de coller. Dans Word aussi, il y a, ça sert à écrire du n'importe quoi, ce qu'il paraît, puisqu'on se croche un opticien. Bon, ça, c'est, il y a dans le 2010 et dans le 2013, dans le 2007 et plus ancien, il n'y a pas. Alors, vous allez cliquer, exemple, si ça, je clique ici, ça ne descend pas, elle ne met pas l'image, on clique sur l'autre. Ça ne fonctionne pas et lui ben j'ai fait un bac maintenant ben nous le met pas alors on peut aller ici en bas voilà paste special ça veut dire copier spécialement quelque chose comme ça ici vous allez mettre comme lui quelque chose comme ça voilà attends, paste special ici comme ça. Lui, voilà, elle nous l'a mise. Alors des fois, si vous savez pas, vous pouvez jouer avec les modes. Voilà, ici, elle nous l'a mise. Désolé, ici, le HTML. Le HTML, si vous voulez mettre une image comme exemple celle-là, ne prenez pas HTML puisque HTML c'est un langage de programmation. J'ai déjà fait des vidéos sur l'HTML. Bon, voilà, elle va vous donner du langage. Ouais. Bon, ici, vous aurez, à chaque coin, vous aurez un carré. Ici, lui, on en a un. Ici, il y a quelque chose qui sert à tourner. Les carrés, ça sert à descendre. Comme ça. Voilà, à comme. Voilà. Ça sert à l'agrandir. Même chose pour lui. Je vais cliquer sur l'image après la redimensionner. Si vous la faites de l'autre bord, si vous la retournez plus que comme ça va devenir de l'autre bord. C'est-à-dire que Google va s'écrire All Goals, pas trop quoi. Voilà, ici il a la mini flèche, comme une flèche qui tourne. Ça sert à tourner l'image. Si vous la voulez comme wow. J'ai mis le 2007 pour ça, cette fonction. Bon, voilà. Là, vous pouvez la mettre comme ça. Maintenant, ça c'est la forme que vous lui donnez. Que voilà, il y a autre choix. Il y a d'autres choix. Ça sert à mettre comme un texte transparent. C'est-à-dire qu'on peut le mettre comme ça. Un peu comme les fonds verts dans les films. Bon, les fonds verts dans les montages et tout ça. Oui. Ah, il est seulement 8 heures. Ah bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que... Bon. Voilà, on va mettre Google de côté. Voilà, maintenant ici, vous pouvez... Ça sert à faire... Oui, c'est bien ça. Exemple, s'il y a ça... Exemple, si vous avez ça comme ça vous avez... On va le mettre ça comme du sélectionneur. Né avec ça la police. Ah oui, ici il y a le A et le petit A. Ça aussi, c'est. Je sais pas c'est quoi. Bon, ça c'est la même chose que ça, mais seulement que vous ne voyez pas. C'est avec le laser qui choisit. Alors, exemple, ça on va le mettre grand comme ça.
Et ça, bon, toi, on va te le supprimer. Voilà, alors, si je veux que ça devienne exactement la même chose que ça. Ça, c'est comme une macro. Le format, je sais pas trop quoi, whatever. C'est comme une macro. Les macros, ça a besoin de Visual Basic. Si vous faites une macro avec Visual Basic, Word a été fait avec Visual Basic. Je pense C++. Bon. Ou C Sharp, whatever. Voilà, alors vous voulez exactement pareil, que ce soit la grandeur sans sectionnage. Alors vous allez sélectionner une partie de là où vous voulez le copier du de la même taille et tout ça. Vous allez cliquer ici. Après, vous aurez un pinceau. Vous allez sélectionner là où vous voulez que ça change. Alors on met ça, paf, c'est rendu exactement pareil. Voilà, alors bon. Et il y a le couper, ça sert à, si on a ça sert à couper. Après, quand c'est coupé, on peut le coller. Coller, on fait peut-être bouton droit, après coller, voilà, comme ça. Voilà, coller. Insérer, oui, insérer. Oui, ça sert à prendre des modèles déjà pris, vous voyez ici. Attention. Ça, c'est des modèles déjà pris de A à Z. Et la chose que j'aime pas, c'est qu'il y a de l'écriture. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez enlever l'écriture pour écrire votre propre texte. Bon, mais ça, c'est de A à Z. Ça veut dire que... Voilà, ici, ça sert pour les tables que vous voulez faire. Souvent, j'avais dit avant que... souvent, les utilisent dans les bulletins, tout ça. Ça sert à faire des notes. C'est un peu comme, pour ceux qui connaissent Excel, c'est un logiciel de je sais pas trop quoi. 3 x 3, 9. Bon, c'est ça. Tiens, ok. Après, on voit juste des carrés. Ben, des trucs comme ça. Ça sert à insérer si vous avez, exemple, des grands nombres. Comme, exemple, si vous voulez 100 par, exemple, 1000. Comme ça, il y a un maximum, je sais pas c'est quoi, c'est 86, whatever. Bon, alors, si vous voulez exemple 1 par 1, ça donne, attends, non, si vous voulez 1 par 9, ça va nous donner une ligne, voilà. Comme ça, si vous aurez deux trucs, des fois vous aurez un seul, ne criez pas. Bon, ça sert à le modifier après. Voilà, ici vous pouvez écrire comme le texte, comme premier pour premier exemple. Vous avez fait ça, vous avez gagné dans cette matière, vous avez gagné exemple 100%. Whatever. On verra ici, il y aurait une ligne, alors on aurait fait plutôt mis la ligne qui est là. Une place, bon, insérer ici ça comme ça sert à la faire manuellement. Donc on peut la faire comme ça. Si c'est comme ça, une technique, ça veut dire que quand ça bouge énormément et que vous bougez souvent la main et que vous essayez de la rendre droite comme ça, souvent cliquez sur Shift, ça veut dire sur ben, contrôle pas contrôle sur le là, ça c'est une technique de Photoshop que tout le monde la connaît en montage, en termes de, oui, et à ce qu'il paraît, ça sert à effacer. Bon, voilà, comme ça, regarde, dans cette matière, on a reçu ça, on clique dessus, ça va décliquer. Bon. Voilà. J'ai juste fait un bac pour un bac, il y aurait trop de trucs, à la fin ça devient totalement mélangeant. Ceci sert à prendre une image. Merde. De votre bibliothèque. Ça sert à prendre une image
de Bing, du moteur de recherche de Microsoft, comme il n'y a pas de Google, vous pouvez pas proposer cette idée à Google, à Microsoft, c'est sûr qu'ils vont vous dire non, puisque Bing, c'est leur moteur de recherche. Bon, ça sert à faire des formes. Si vous voulez faire un bon sourire, voilà, tac, voilà. Ça, quand il y a un point jaune, c'est qu'on peut la modifier. Regardez, on peut le rendre content, comme neutre, voilà, neutre et fâché. Comme ça, oui, comme ça. Et sinon, insérer. Je vais pas faire toutes les formes, la plupart sont du même principe. Sauf, il y en avait un, c'est, je pense, lui. Non, c'est lui. Celui qui est comme ça. Voilà, vous cliquez une fois. Ça sert à faire des lignes droites. Non, pas des lignes droites, à faire des lignes qui courbent. Là, c'est différemment. Alors, vous cliquez ici. Et maintenant, elle va tourner. C'est-à-dire qu'une fois que vous cliquez, elle va tourner. Comme ça, alors voilà. Si vous avez raté, exemple, vous êtes en train de faire la forme, après vous ratez, vous cliquez échapper et vous avez une autre chance. Ça sert à faire une capture d'écran en termes d'image. Voilà, ici on a comme un fond en blanc. Vous pouvez sélectionner tout ça ou une petite place spécifique. Et après, j'aurai mon écran. Bon, avec deux logiciels de capture d'écran, ça va pas très bien. Bon, ici, j'ai trois options. Il s'appelle Apps. Apps, ça veut dire application. Ça, c'est une option seulement pour le 2013. C'est-à-dire que le 2010, j'ai vu, il n'y avait pas. Store, ça veut dire là où on achète. Pour cela, vous devez avoir un compte. Dans Login, vous devez avoir un compte. Pour avoir un compte, vous devez inscrire votre Hotmail. Si vous n'avez pas de Hotmail, vous devez vous inscrire, devez avoir un vous devez vous créer un compte. Alors ici, vous avez comme des traductions, la météo, tout ça. Vous cliquez sur More Apps, ça veut dire avoir plus d'applications, voilà. Ça sert à My Apps, c'est-à-dire mes applications que j'ai téléchargées, j'en ai téléchargé aucune. Wikipédia, ça c'est Wikipédia, c'est ben la plupart des gens le connaissent. Je vais pas trop vous expliquer. Ça c'est du n'importe quoi, ça c'est hyperlien, hyperlink. Bon, alors ça c'est dans mes documents. Si vous voulez à une autre place, ben si vous avez exemple un document, si j'appelle oui, vous pouvez mettre directement, ça sert à mettre une adresse email, le sujet et le mail que bonjour, blablabla. Ça sert à faire n'importe quoi, entre autres. Ici, vous pouvez mettre http. Barre oblique. Ça va fonctionner, exemple, google.fr. Comme ça. Vous faites OK. Vous allez avoir un lien qui va s'appeler Google. Comme ça, vous pouvez cliquer sur contrôle. Après, il va avoir une souris. Vous allez cliquer ici. Vous allez aller sur Google de France. Ben, voilà. Comme ça, tout le monde le connaît. Si vous avez exemple ça, vous voulez mettre un lien avec ça. Si que vous voulez que ça devienne un merde. Comme ça, vous voulez que ça vienne Google, vous pouvez aller ici. N'importe quel site internet. Je pense, sauf les FTP, les serveurs FTP. Bon. Ça, c'est pas trop de la base, le FTP. Nous allons repartir dans Hyperlink. Vous devez sélectionner, vous devez vous assurer que ça fonctionne. C'est marqué ici. Bon. Vous pouvez, exemple, l'appeler. Je pense que FTP, ça va fonctionner. Oh. Ok, vous pouvez l'appeler comme http.google, vous pouvez l'appeler http. Un site qu'il existe.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous créer votre propre site internet sans hébergement et tout ça, et qui est public pour tout le monde. Ça n'existe pas. Alors vous pouvez par exemple l'appeler point, point, bon, voilà, appeler point Google, point YouTube, point com. Attends, j'ai fait une faute. Bon, après vous pouvez cliquer ici, il va voir, elle va nous dire qu'il y a une faute. J'ai écrit .com à la place de .com. Bon, ne répond pas, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop aller dans les liens. Vous voyez. Ici, ils disent que le serveur internet ne peut pas exécuter ou proxy. Bon, je n'ai pas proxy sur mon ordinateur. On va faire une autre vidéo. C'est quoi proxy? Peut-être dans une autre vidéo. Bon. Oui, c'est qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'était. J'ai oublié. Bon, c'est bien ça. Ça, ben, c'est des titres et bon, voilà. Ça sert à faire des. Ça, c'est. Si vous voulez un contour comme ça, et si vous avez votre écriture, ça c'est simple. C'est basé, vous l'avez comme ça. Comme ça c'est si vous voulez. Ah oui, ça c'est cool ça. Ici, ben, si vous avez une ordinaire, console, comme ça, est faite. Voilà. Ça fait déjà combien? 30 minutes. Waouh. Ça c'est bien, mais quand on imprime ça, elle ne va pas l'imprimer pareil. Ça c'est comme des two color ou. Ça c'est pour avoir comme deux couleurs. Ça sert comme le rayon du soleil, tout ça. Vous avez tout ça de choix. Ça c'est si vous voulez comme ça. Il y en a comme d'autres verticales, horizontales, diagonales, voilà. Comme ça ou comme ça. Si vous voulez comme ça va taper assez sur les nerfs. Si vous essayez d'imprimer, elle ne va pas vous imprimer ça comme ça. Elle va vous imprimer une feuille blanche. Voilà, ça on est allé, ça c'est, oui, ça c'est comme exemple, ça j'ai déjà utilisé, mais j'ai déjà utilisé pour m'amuser, ça sert à faire, ben, ça sert à faire une image, je vais écrire apply, voilà, ça c'est écrit brouillon, ok, ça sert pour dire que ça c'est un brouillon. Des fois, dans. Des fois, c'est marqué qu'on a payé les licences et tout ça, ils mettent ça. Que voici le nom de la personne qui l'a payé et tout ça. Voilà, quoi, ils l'ont déjà fait. Ça, c'est des. Je sais pas. Quelque chose. Ah, ça sert à le mettre en vert. Ça c'est ben ça, ah oui, ça c'est pour les images. Voilà, ici on a une image, ici la ligne verte qui est là, une place, voilà comme ça. Bon, whatever. Ça c'est exemple là, le point, la chose en vert, non pas en vert. Oh, maintenant je suis rendu daltonien, ce qui paraît. En orange, c'est exemple, c'est votre image, c'est on va dire Google. Dans ces cas-là, c'est Google. Vous voulez, exemple, qu'une autre image va être plus foncée que Google ou moins foncée que Google. Moins foncée, c'est ça, plus foncée, c'est ça. Ça, c'est si vous avez une qui doit être moins foncée, une qui doit être plus foncée, ben, vous cliquez ici. Référence, ça aussi, ça sert à mettre des mails envoyés par email. Ça, c'est un traducteur, je pense. Ça sert à mettre le gist. Il y a une place qui sert à mettre un mot de passe dans un document Word. View, c'est, ben, si vous voulez, si vous le voulez en deux copies, si vous avez exemple deux textes, deux documents Word, vous voulez comme voir la comparaison, vous cliquez ici. Dans ces cas-là, on n'en a aucun. Ça, c'est si vous en avez plusieurs, c'est-à-dire que si on en ouvre un autre, et donc comme ça, vous allez faire ça. Voilà, vous partez dans ici.
avec ça, voilà les rendre compatibles entre eux. Alors que ici j'écris n'importe quoi, ici c'est la page Google en général. Je clique ici, ici elle nous demande si vous voulez enregistrer ou pas. Et je ne reviens pas si ça c'est rendu un peu trop pâle. Voilà, et ça on va mettre l'écran complet. Tout le reste, tout, développeur, tout ça c'est du Visual Basic, c'est-à-dire que c'est rendu de la programmation. Maintenant on peut croire qu'on a fini, mais non. Ok, on va aller dans File. Ici dans File, il y en a qui vont dire qu'ils ont toujours les trucs comme Home, la maison, Menu, et tout le reste. Ça veut dire que vous avez le 2010. Ça, c'est vos informations, le nom de l'ordinateur, quelque chose comme ça. Ça sert à mettre un mot de passe dans le document. On clique ici. Ils vont vous demander le mot de passe, exemple 1, 2, 3, on clique OK. Ici, elle nous dit de le remettre le mot de passe, exemple si on fait une erreur, voilà, j'écris n'importe quoi. Mot de passe incorrect, elle veut qu'on écrit 1, 2, 3. Non, c'est, après on clique OK. Si vous, exemple, vous avez comme des informations comme votre, ben, de votre banque ou des trucs comme ça, vous pouvez mettre des documents. Je ne veux pas que tout le monde ouvre le fichier. Alors, je vais cliquer cancel parce que je vais pas mettre de mot de passe. Et si vous voulez, vous cliquez OK. Voilà. New, ça sert à ajouter une autre feuille. Voilà, comme ça. C'est la même chose que le début. Open, ça sert à ouvrir. Que ce soit votre ordinateur ou d'autres places. OneDrive. OneDrive, c'est pour ceux qui ont un Outlook. OneDrive, ça sert à faire un partage. C'est un peu comme Google Drive. Ça c'est Web Localization. Ça c'est si vous avez un externe, ça veut dire que ça va être un site internet. Save, ça veut dire enregistrer. Save as, ça veut dire enregistrer sous. Ça c'est computer ou dans OneDrive. Print, ça sert à imprimer. Heureusement, mon imprimante est éteinte. Ça, c'est le. Quand elle va imprimer, ça va donner ça le résultat. Ça, c'est pour l'envoyer par email ou dans un blog. Ça sert à faire n'importe quoi et des bêtises. Account et option. Account, bon, on va aller dans account. Account, elle va nous dire qu'on a notre Change Product Key, c'est-à-dire que j'ai mis toutes les installations, c'est-à-dire que je vais payer. Et dans Office, ben, ici vous allez voir d'autres. Si elle va nous dire si c'est une place qui met que vous l'avez, exemple, pour un jour d'essayage, c'est-à-dire que vous avez une démo. Si vous l'avez payé, téléphonez à Microsoft pour dire c'est quoi le problème de ça. Bon, alors ici vous avez Access Excel, comment ça s'appelle, OneNote, ouais, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, Link en bleu et le Infopad. Bon, ça sert à mettre son mail, son adresse email. Après, elle va nous demander notre mot de passe. La même chose pour ici, login qui est là. Option. C'est dans une autre vidéo, je vais vous.